qu'elle fait, Joël? Oh, bah, elle se met sur son 31. Tu sais bien le temps qu'elle met à se préparer quand on part en chasse. Ouais, surtout que c'est sans aucune garantie de résultat. Tu te souviens la dernière fois? Si je me souviens. 5 heures de drague pour entrer bredouille. Non, elle s'en est pas remise, hein. Pour le coup, elle a balancé tout son stock de préservatifs et elle a bouffé sa crème anti-ride. Me voilà. Parler de quoi? De quoi veux-tu qu'on parle? Bah, des mecs, bien sûr. Des mecs et du fait qu'on ne peut absolument pas leur faire confiance. Tiens, Mathias, par exemple. Mais quoi, Mathias? 2 tentatives de suicide. Oui, et alors? Bah, il est encore en vie. Aucune parole. Un homme, c'est comme un fruit. Ça peut paraître très beau vu de l'extérieur et complètement pourri à l'intérieur. Et ça, bien entendu, tu peux pas le voir avant de l'avoir consommé. Oh, vous savez pas, l'autre fois, je suis tombée sur un romantique, un poète. Il me dit, tu es ma rose, tu es ma fleur. Je voudrais te butiner. Mais pour qui me prend? Moi, je vais faire l'amour, pas du miel. Bien, moi, je viens de découvrir les joies d'Internet. Je flash sur une annonce. Alan, 27 ans, maître nageur. Oui, ben je me retrouve avec Robert, 49 ans, contrôleur à la RATP. Et alors, t'as conclu? Tu dingue, je vais juste rouler une petite pelle comme ça, quoi. Ah, le French kiss. Parlons-en. Le dernier qui a mis sa langue dans ma bouche, j'ai eu l'impression qu'il me faisait un 1000 ans bucco-dentaire. Ben, charmant. Oh, et le mariage, les filles, vous y avez pensé? Oh bah, le mariage, c'est comme une forteresse. Hein. Tant que t'es dehors, tu cherches à y entrer. Mais quand t'es dedans, bah, tu ferais n'importe quoi pour en sortir. Ouais, ben moi, il n'y a rien à faire. Chaque fois que je suis amoureuse, il faut que j'épouse. Tu épouses, tu divorces surtout, oui. Tout en n'oubliant pas de leur faire une petite ponction mensuelle au passage. Oui, non, pas grand-chose. 1000 euros, quoi, c'est tout. Attends, tu t'es mariée combien de fois? 6 fois. Ah, tu m'étonnes que ça te suffise. Le compte est vite fait. C'est la mort du désir que de se donner à un seul homme. Tu peux vivre 10, 20, 40 ans, une vie commune tout en rêvant séparément? Oh non, merci. Très peu pour moi. Pour les mecs, c'est clair. Hein. Ils aiment bien m'avoir de temps en temps dans leur lit. Je suis pratique. Une touche appuyée sur leur portable. Mais par contre, leur amour, ils le gardent jalousement pour eux. Bon, allez, les filles, on va pas broyer du noir pour ces idiots. Vive le célibat! Vive le célibat! Vive le célibat! Qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche. Merci. De rien. Bonjour. Et là, voilà reparti. La vie est un éternel recommencement. Allez, à la tienne.